Salam à tous, bienvenue sur notre chaîne Suspense Factory. Nous espérons que vous allez bien et que votre semaine a été spirituelle. Tout de suite, une nouvelle histoire. Connaissez-vous les gens qui sont autour de vous? L'apparence ne reflète pas ce que cachent les cœurs, mais parfois certains signes ne trompent pas. Ça peut aller de petits signaux à d'autres plus importants. L'histoire de ce soir est une histoire vraie, inspirée de faits réels. Certains personnages et lieux ont été changés pour préserver l'anonymat des personnes qui ont subi ces abus. Et nous vous remercions par avance pour les invocations que vous ferez pour nous et pour eux. Chers auditeurs, chères auditrices, ne faites pas entrer n'importe qui dans vos vies et limitez-vous toujours au cadre que vous offrent les prescriptions divines. Sans cadre, sans limite, comment se préserver? Autant de leçons qui doivent continuer à se partager afin d'être gardien du bien et éviter à certains de subir la folie du mal. Banlieue parisienne, 2017. Nusayba et Hajar sont meilleures amies. Elles s'aiment d'un grand amour, à la vie, à la mort, Inch'Allah, comme deux sœurs d'un même utérus. Vous connaissez ces relations cadeaux que le bon Dieu offre. Il y a des cœurs qui se cherchent dans ce bas monde, des âmes sœurs, où on n'a pas besoin de parler, un regard suffit alors pour comprendre l'autre. L'une pourrait faire un sans faute en achetant quelque chose pour son ami. Tellement la puissance de leur amour est élevée. Quand l'une est triste ou cache quelque chose, l'autre le sent et est mal avec elle. On ne peut pas expliquer ça, c'est viscéral. Je dirais que ça ressemble aux relations des jumeaux. Sauf que les gens qui ont reçu cette faveur ne sont pas de vrais jumeaux. Ce seraient plutôt des jumeaux spirituels. Ils s'aiment et c'est malgré eux. Nusi et Hajar se connaissent depuis la fin de l'adolescence. Leur rencontre était extraordinaire. L'effervescence, je dirais. En fait, Nusi avait un prétendant, Safwan, qui avait lui un super pote, le genre de frère avec qui Safwan aurait tout fait. Ce frère, un jeune converti, très drôle et très gentil, était lui le prétendant d'Hajar. Attention, cher internaute, restez concentré. Son prénom, c'est Michael. Alors, cher internaute, un jour, Nusi, qui devait se rendre pour une affaire dans une ville voisine, informa Safwan, son chéri, pour qu'il ne s'inquiète pas. Safwan lui dit alors, « Tu vas à Troyes. Arrête. Et Nusi, si ça se trouve, tu tomberas par hasard sur la future femme de Michael. » Elle rigola. « Tu crois qu'on est chez les bisounours, toi ? Je vais faire un aller-retour. Je m'arrêterai juste pour prier dans la mosquée du coin. Et c'est tout. Et comme ça, tu penses que je vais tomber sur sa future femme. Ce jour, dans cette ville, à ce moment, je vais rencontrer sa future femme. Non mais Safwan, tu t'entends ? Vraiment, il va falloir que je te surveille, hein. Petit doudou. Ah oui, parce que t'es trop naïf. Cher internaute, le jour du voyage de Nusi arrive. Elle part avec son amie Céline. Elle va à son rendez-vous. Décide d'aller prier à la mosquée. Rentre dans cette mosquée, fait ses ablutions, prie. Et pendant la prière, elle entend des femmes entrer dans la salle. Elles ont l'air d'être deux. L'une dit à l'autre, « Accompagne-moi, je dois faire mes ablutions. » Nusi ne sait pas pourquoi. Et quand elle entend cette phrase, elle pense à l'intérieur d'elle, « Peut-être que c'est la femme de Michael. » Et là, chère internaute, elle finit sa prière et s'apprête
et s'approche, pardon, de la salle de prière. Et elle s'approche de la salle d'ablution. J'en perds mes mots. Voit les deux jeunes filles. D'accord ? Donc vous m'avez suivi. Donc elle finit sa prière. Elle s'approche de la salle d'ablution. Elle voit les deux jeunes filles. Et elle demande timidement. Salam alaikum les sœurs. Excusez-moi, il y en a une qui serait la femme... future femme du frère Michael de Paris 95. Cher auditeur, chère auditrice, à quelques détails près et pour préserver l'anonymat, ça s'est passé ainsi. Incroyable, n'est-ce pas? Et là, Hajar s'avance, écarquille les yeux et elle dit: tu es là future femme de Safouane, le frère de Paris? Oui, dit Noussi. Et là, un grand éclat de rire se fait. Elles se sont prises dans les bras. En riant et en s'émerveillant, vraiment, de la grande surprise du moment. Se rappelant la générosité sans limite de Dieu. Non mais, disons-le, cher internaute, il y a des événements parfois dans la vie qu'on ne s'explique pas. Et sincèrement, comme ce témoignage est un vrai témoignage, je vous assure que les personnes qui l'ont vécu ont vécu un excellent moment, un moment merveilleux. C'est des moments qu'on ne s'explique pas. Et je vous le dis souvent dans mes vidéos, nous n'en sommes pas les décideurs. Une merveilleuse amitié naquit ce jour-là et qui dura de longues années. Ils se marièrent tous les quatre et eurent des enfants. Leur amitié, après de si longues années, était intacte. Au menu, beaucoup d'amour, des rires, des confidences, beaucoup d'entraide, de la solidarité, de la piété, une immense fraternité, plus grande que les montagnes ou l'étendue des étoiles. Ce que Dieu leur offrit était une immense amitié très précieuse, un grand bienfait, une force, ce qui leur a permis de construire était d'une beauté sans fin, vraiment. Ils eurent des enfants et, chers auditeurs, chères auditrices, c'est pour vous dire ici combien vous êtes des modèles pour les vôtres. Quand vous êtes lumineux, drôle, de bonne humeur, facile à vivre, de bonne moralité, solidaire, toujours motivé pour le bien, quand l'amour est le chemin que vous avez choisi, c'est ce modèle que vous êtes pour ceux qui vous entourent. Et c'est ce que vous dégagez lorsque les gens vous regardent. Leurs enfants ont donc développé ce même amour, passionnés ensemble, des soirées à délirer, à rire. Ils partaient en vacances ensemble. Leurs filles étaient comme de vraies sœurs, et pareil pour leurs garçons. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, ça donne envie, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, c'est le genre d'amitié qui donne envie et qui attire tout type d'envieux, malheureusement. Il y a ceux qui sont bienveillants et il y a les autres, ceux qui ne veulent pas, non seulement une amitié, qu'une amitié comme celle-ci vous parvienne, mais ils veulent que la vôtre soit détruite. Soyez donc vigilants, chers amis. Nous rappelons ici que, dans les règles divines, envier les gens est mauvais. Mon frère, ma sœur, si tu m'entends, si tu sens que ta poitrine se resserre, quand tu vois le bonheur chez les autres et que tu commences à vouloir les dénigrer, ou si tu entends qu'ils rencontrent des problèmes et que tu t'en réjouis, sache que ton cœur est tombé malade. Les seules envies permises sont celles qui te donnent envie de te dépasser et de faire du bien. Que chacun donc sonde son cœur. Mais revenons plutôt à notre histoire. Donc, tout ce beau monde a commencé à avoir des envieux. Des gens qui venaient jeter des paroles et des piques, des doutes, chez les uns et les autres. Hajar, Noussi vient trop souvent chez toi, non? Elle est étouffante. Avec son mari, ses enfants en plus. Oh, ça fait trop pour vous. Hajar qui répond: non, pas du tout,
Et puis, c'est nous qui les invitons souvent. On se sent en famille avec eux. On les aime beaucoup. Et pareil, chers internautes, chez Noussi. Noussi, ah, Jal te prend tout ton temps. Attends, on dirait que tu es son garde du corps et puis son mari et ses gamins, là. Ils sont mal élevés, ils gueulent tout le temps. C'est pas chez eux, c'est quand même chez toi, dis quelque chose. Noussi, qui a un caractère bien trempé. Écoute, c'est pas seulement des amis, c'est notre famille. Chez nous, ils font ce qu'ils veulent. Etc, etc. Toujours les mêmes histoires, chers auditeurs, chères auditrices. Les ennemis, toujours plus présents. Autant chez les connaissances que dans leur propre famille. Alors au début, et pendant longtemps, ils vont tenir bon. Car très conscients du bienfait dont Allah les a comblés et fermes dans leur foi. Mais chers auditeurs, chères auditrices, c'était sans compter la rencontre qu'ils allaient faire avec le diable. La vie continuée se déroule, chacun son poste. Les frères travaillent, Mikhaïl est diplômé en sciences islamiques et donne des cours à une place d'enseignant dans un institut de la région parisienne. Safouane, quant à lui, est ingénieur et il participe aux cours de son ami. Les filles, quant à elles, s'occupent des enfants, mais pas que. Elles font ensemble plein de choses. Je vous ai dit, elles s'aiment vraiment très fort et ne se quittent que très peu. Elles font des lavages mortuaires, des assises entre sœurs. Elles s'occupent des petites sœurs en détresse, des problèmes de couple, de visiter les sœurs malades. Et elles s'échappent pour faire des petits soins en institut et des petits restos. Juste elles, sans les enfants, sans les maris, pour rire et pour rester ensemble. Dans leurs heures perdues, elles passent du temps à regarder des spectacles drôles sur YouTube et des témoignages émouvants d'histoires de vie. Elles aiment énormément ça. Noussi et Hajar ont ce côté authentique qui les lie à jamais. Enfin, sachez que ces personnes-là peuvent être utilisées ou détestées sauvagement pour leur véracité, leur franchise. Vous savez, ce côté vrai. Malheureusement, les filles, après 15 ans d'amitié, vivront leur dernier moment de complicité. Le brouillard et les ténèbres arrivant tout droit sur elles. Voilà qu'un beau matin, le téléphone sonne chez Hajar. Ses parents l'appellent en urgence. Hajar, salam alaikum, vite. Ton frère a eu un accident grave. Le couple Mikhaïl et Hajar se rendent au chevet du frère. C'est très grave, cher internaute. Il est dans le coma. Et Hajar appelle Noussi. Noussi, s'il te plaît, j'ai besoin de force. Ils ont dit que les prochaines semaines seront décisives. C'est très grave, il est polytraumatisé. Hajar, écoute-moi. T'inquiète pas, remets-toi-en à Allah. Le destin est déjà écrit, rappelle-toi ce qu'on a lu. Les plumes sont levées et l'encre a séché. On va prier, je suis avec toi ma habiba, tu n'es pas seule. On est là avec vous, ça va aller. Garde la tête froide, s'il te plaît, tes parents ont besoin de toi. La famille de Hajar sont des gens simples. Ils ont essayé de faire de leur mieux pour bien élever leurs enfants et ils ont réussi. Leurs enfants ont du cœur. Farid, le frère dans le coma, est le grand frère. Mais il est aussi un modèle et cet événement les affecte profondément. La famille de Noussi, c'est une famille différente. C'est une famille d'activistes dans tous les domaines. Les problèmes, ils connaissent et leurs enfants sont investis dans différentes causes. Ce sont des gens solidaires, connus et très appréciés dans leur quartier et pour leur activisme. Bref, Safouane parle avec Mikhaïl. Akhi, salam alaikum.
Donc, Ahi, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme si je vous dis frérot. Comment va ton beau-frère aujourd'hui? C'est chaud, Safouane. Ils font plein de tests, ça ne donne rien. L'accident a été très grave. Il est quand même polytraumatisé. Subhanallah, soyez forts. On est là. Déposez-nous les enfants quand vous voulez. Et autant de fois que vous en avez besoin, dites-nous ce qu'on peut faire pour vous rendre service. Merci infiniment, Safouane Allah. Beaucoup de prières. Ma belle-mère et ma femme sont effondrées. Je crois que sincèrement, je vais prendre les devants et... Tu te rappelles, à mon dernier cours, il y avait un frère à lunettes. Au fond, c'est pas la première fois qu'il vient. Il vient souvent, mais il se met au fond. Ouais, c'est un frère qui traînait avec Abdus Salam, un autre frère. Tu vois qui c'est? Oui, je vois c'est qui. Ouais, je vois c'est qui. Ouais, c'est le gars qui était au fond. Ouais, exactement, dit Mikhaïl. Apparemment, il est thérapeute et il vient souvent à la mosquée. Je crois que je vais organiser une rencontre avec nous pour aider ma femme et ma belle-mère. Et là, cher auditeur, chère auditrice, écoutez bien, parce que c'est le moment où le loup va entrer dans la bergerie. Allô? Salam alaikum, frère Sofiane. Oui, salam alaikum, c'est qui? C'est le frère Mikhaïl, enseignant de l'Institut M. Ah, oui, ça va, frère? Oui, ça va, barakallah fik, Dieu merci, en espérant que toi aussi. Excuse-moi, mais je te contacte car les frères m'ont dit que tu étais thérapeute. Et justement, ma belle famille traverse un événement très très difficile en ce moment. Mon beau-frère est dans le coma, en fait, c'est très grave apparemment. Et ma belle-mère et mon épouse ont besoin, je pense, d'être accompagnés psychologiquement. Le côté religieux, je m'en occupe, mais si tu pouvais les aider, vraiment, je t'en serais très reconnaissant. Ah, d'accord. Ah, je suis vraiment désolée pour vous, hein. Vraiment, ça doit être terrible. Hein. Je vais intervenir. Ouais, je vais intervenir. Bon, si tu me permets, je vais commencer par ton épouse, qui pourra peut-être ensuite se joindre à toi et à moi pour soutenir justement ta belle-mère. On pourra organiser une rencontre. Je ne sais pas ce que tu en dis. Mikhaïl, très naïf. Ok, parfait. Ça va m'être d'une grande aide et je te fais confiance, Ahi. Donc, je te propose même de venir manger à la maison samedi. Ouais, samedi soir, on pourrait discuter. Alors, nous rappelons ici que, cher internaute, la confiance est un diamant qu'il ne convient pas de négliger. Restez vigilant. Vous verrez pourquoi je dis ça. Samedi soir, Hajar a préparé à dîner, Sofiane est venue et Mikhaïl est présent également. Salam ma sœur, ton époux propose qu'on commence une thérapie afin que tu sois soutenue, tu sais pour quel événement? Hajar acquiesce. Oui, c'est par rapport à ce terrible événement que vous vivez avec ta famille. D'accord. Hajar fait confiance à son époux, Mikhaïl, qui l'aime d'un amour fou. C'est son meilleur ami. Ils se comprennent dans tout. Donc elle accepte. On peut faire une séance après le dîner, propose Sofiane. Ok, tout le monde est d'accord. Mais, cher auditeur, chère auditrice, les premières manigances se dessinent. Cher ami, laissez-moi vous dire, qui est Sofiane? Sofiane se fait passer pour un thérapeute auprès des frères. Mais c'est en réalité un dangereux prédateur qui cache bien des secrets derrière son apparence
deux frères. Par contre, mon frère, il est important que je sois seule avec ton épouse pour qu'elle puisse se livrer sur ses peurs, tu comprends. Mais elle ne me cache rien, Harry, t'inquiète. Hein. C'est ma femme, c'est ma meilleure amie, il n'y a rien. On se dit tout, il n'y a pas de problème. Non, non, je reste. Oui, je comprends. Mais écoute, c'est comme ça que j'organise mes séances avec mes patients pour que ça donne des résultats. Je te demanderai de passer dans la pièce d'à côté. Hein, tu pourrais laisser la porte ouverte ou entrouverte, hein, si ça peut te rassurer. Michael, qui est très protecteur, cher auditeur, chère auditrice, et qui, rappelons-le, est diplômé en sciences islamiques, trouve cette situation très dérangeante. Très dérangeante. Et il va devoir céder devant l'insistance de Sofiane, car il se sent forcé et gêné. C'est là qu'il se dit que c'est quand même lui qui a fait appel à Sofiane et il va consentir. Et c'est comme ça que les premières barrières ont été franchises, et que les premiers pas du diable se sont dessinés. Bref, en attendant, la vie continue. Mais Farid ne donne aucun signe d'espoir. Sofiane voit Hajar sous la pseudo-surveillance de Michael. Et Hajar est très pudique. Au début, c'est des discussions simples et rassurantes. On va parler de l'enfance, des troubles, des traumatismes, des souvenirs, etc. Vous connaissez un petit peu la psychologie. Mais bientôt, le diable gagne du terrain. Eh oui, cher auditeur, chère auditrice. Hajar, quelles sont tes relations avec les gens? Est-ce que tu as des amis? Lui demande Sofiane. Hajar, la pauvre, mais loin de se méfier de ce qu'il attend, lui répond. Oui, j'ai plein de sœurs et surtout, j'ai une meilleure amie. Elle est comme ma sœur, je l'aime d'un amour fou. C'est l'amour de ma vie. Heureusement qu'elle me soutient. Sa famille, c'est comme la mienne. Mais est-ce que tu lui as confié des choses personnelles, comme tes peurs, etc. Oui, mais elle m'a toujours soutenue. Toujours, toujours. D'accord. Je vois. Mais elle a quoi comme caractère, ton amie? Tu sens qu'elle t'aide? Tu sens vraiment qu'elle te soutient? Oui, elle est très combative. C'est une guerrière de tous les fronts. Elle vient d'une famille d'activistes et je les aime bien. C'est vrai que nous aussi, on a un fort caractère et c'est ce qui fait tout son charme, vraiment. D'accord. Et tu ne te sens pas écrasée parfois? Voyez, cher internaute, voyez comment le vice s'installe. Écrasé, dit Hajar. Je ne comprends pas. Mais ça y est, le premier Wes a été lancé dans son cœur, éprouvé. Non, elle ne m'écrase pas. C'est moi qui suis la douce et c'est vrai qu'elle a le côté guerrier, mais on se complète. Bon, tu sais, Hajar, je dis pas ça pour te contrarier. Mais est-ce que tu connais les pervers narcissiques? Les pervers narcissiques et les perverses narcissiques sont comme ta copine Noussi. Ils se veulent protecteurs, gagnent du terrain pendant des années et ensuite prennent le contrôle sur toute la famille, s'approprient ses biens et les personnes qui font le foyer. Et tu sais que ton mari les aime bien. Hajar acquiesce, tente de riposter, mais elle se sent faible moralement. C'est bizarre. Elle comprend plus trop. Dans le fond, elle le sait. Sofiane a tort. Ça se voit qu'il ne connaît pas Safwan et Noussi. Ils sont formidables. Mais bref, elle laissera couler. Et elle ne va pas relever.
et les séances vont s'enchaîner. Alors Hajar, comment va ton frère ? Aucune bonne nouvelle, malheureusement son corps ne réagit vraiment pas. Et comment va ta mère, ta famille ? Vraiment très mal. Allez, allez, ça va aller, Inch'Allah, lui dit Sofiane. Hajar, reprenons là où nous nous sommes arrêtés, si tu veux bien. Ton enfance, comment était ton enfance ? Faisais-tu des rêves ? Voyez la stratégie, cher internaute, et prenez-en de la graine. Oui, ça va, j'ai eu une enfance normale, enfin, je crois. Et oui, je faisais des rêves parfois et j'en fais encore. Oui, j'en fais encore. Ah, très très bien, très très bien. Parfois on intériorise les peurs, tu sais, Aja. Mais suivant notre nature, ces rêves se traduisent différemment. Aja, intrigué, relève. Selon notre nature, c'est-à-dire, j'ai pas très bien compris. Eh bien, parfois, on a en nous des choses, des entités mystiques qui sont bienveillantes et nous proposent de développer des dons pour qu'à notre tour, on puisse devenir des gens qui vont aider d'autres gens. C'est un don de Dieu. Mais attention, c'est comme dans tous les principes qu'on trouve dans une confrérie. Cela doit rester secret, car les gens qui ont ces appels sont chassés par des démons qui sont souvent cachés dans des apparences de gens bienveillants. Et il suffit de gratter un peu Hajar pour les dévoiler. Il ressemble un peu à ton ami Noussi. Parfois, ça peut même être son propre compagnon de vie. C'en est trop pour Hajar. Hajar, troublée par ce qu'elle vient d'entendre, en état de faiblesse mentale encore, elle se sent bizarrement faible, elle ne sait pas pourquoi. Et elle est déjà tellement éprouvée dans sa foi, elle demande « Quel genre de rêve ou de manifestation ça prend quand il y a ce genre d'appel ?» Alors, cher auditeur, chère auditrice, on aurait pu blâmer Hajar. Mais l'être humain est ainsi fait. Et il questionne. Eh bien, on rêve d'animaux, on peut rêver de gens, d'endroits, de personnes qui nous parlent, qui nous donnent des messages. Dans la réalité, on arrive à ressentir les gens aussi, s'ils sont tristes, ce qu'ils ressentent, s'ils ont besoin d'aide. Et on perd aussi notre énergie en restant avec certaines personnes. On a physiquement des signes. Et parfois, certains ont même des lignes droites dans les mains. Tu pourrais regarder sur ta main si tu as une ligne droite qui va d'une extrémité à une autre. Hajar ouvre sa main discrètement. Elle semble fatiguée, hypnotisée, sans force, comme si on lui aspirait toute son énergie et qu'elle s'en rendait pas compte. Et elle voit dans le creux de sa main une ligne qui traverse justement celle-ci et qui va d'une extrémité à une autre. Et oui, vous aurez reconnu la grande théorie des enfants azurés. Elle demande et celui qui trouve ça dans sa main, que doit-il faire ? Et là, Sofiane a réponse à tout. Alors déjà, il faut qu'il prenne conscience qu'il est entouré par des démons et qu'il va falloir s'en débarrasser pour aller au bout et recevoir le don grâce à un chir qui pourrait aider cette personne. Par exemple, Hajar, j'ai été choisi, moi, oui moi, pour aider les gens. Regarde, je suis avec toi. J'ai moi aussi un trait dans mes mains. Regarde, Hajar. Il va lui montrer sa main. Et grâce à mon chir qui me guide, je me suis débarrassée de tous mes démons. Et regarde, maintenant j'aide des gens comme toi, comme ta maman, et plein d'autres encore. Alors Hajar ouvre ses mains, montre ses mains. Peut-être que tu es élu toi aussi. C'est pour ça que tu as tous ces signes. Et cet ami qui te suit depuis trop longtemps. Si c'était une vraie amitié, elle serait à l'hôpital avec toi, tout le temps.
mais apparemment, elle s'occupe des autres à la mosquée. Sûrement qu'elle va même au resto avec des sœurs. Elle t'a oublié. Je trouve qu'elle a très peu d'empathie sur toi, hein. Envers toi, pardon. Excuse-moi, Hajar. Tu pourrais dire à Mickaël si je peux m'isoler pour prier quelque part. Je n'ai pas encore prié et je crains que l'heure soit bientôt dépassée, s'il te plaît. En pleine séance, Sofiane demande à s'isoler pour prier. Personne ne peut refuser ça à quelqu'un. Nous sommes d'accord, chers auditeurs, chères auditrices, si vous recevez des gens chez vous et qu'ils vous demandent « Est-ce que je peux prier dans une pièce ?» Évidemment que vous allez leur déballer le tapis rouge afin qu'ils invoquent et qu'ils prient que vous puissiez avoir une pluie de bénédictions chez vous. Personne ne se voit refuser cela. Eh bien, prenez-en de la graine, chers auditeurs, chères auditrices, puisqu'il y a des endroits où il faut éviter d'amener les gens afin qu'ils prient. Mickaël, qui se trouve toujours dans la cuisine, lui propose naïvement de prier dans sa chambre pour être au calme. Dans sa chambre, oui, vous l'avez bien entendu. Dans la chambre, justement, Sofiane attend quelques minutes. Il écoute. Ça y est, il entend Mickaël parler à Hajar, là-bas, dans la cuisine. Il est donc seul. Il observe la chambre, le lit, les tapis, le rideau. Il se fait une idée du couple. Il fouille, il touche. Tiens, il se dit en ouvrant un tiroir, j'ai trouvé les sous-vêtements du couple. Et là, cher auditeur, chère auditrice, il vole un slip d'Ajar et un caleçon de Mickaël, cher internaute, en sorcellerie. Un sous-vêtement de chaque pour symboliser le couple. Après un temps, il revient dans le salon et reprend normalement avec Hajar comme si de rien n'était. Hajar, dont la personnalité, pour une raison inconnue, commence à se modifier, interpelle Sofiane. Excusez-moi, frère Sofiane, mais comment ton cher te vient en aide? Ah, ça, c'est une grande question. Il me demande de sacrifier des bêtes certains jours, qu'il choisit, afin de me permettre de prendre de la valeur auprès de mes gardiens, afin qu'ils acceptent de continuer à me transmettre leur savoir. Attention, Hajar, ces informations sont importantes et secrètes. Même Mickaël ne doit pas être au courant. Toi, tu as un trait dans ta main. Toi, tu es comme nous, mais pas lui. Et aussi ton ami Noussi, je te mets en garde. Ça m'a tout l'air d'être un diable maudit. Tu dois t'en méfier comme de la peste. Ça ne se voit pas. Car c'est un diable expérimenté qui cache bien sa noirceur, selon ce que tu m'as décrit. Mais quand un malheur te touche, toi et ta famille, retiens bien ça. Elle jubile, elle et son mari. Et s'il pouvait, elle te prendrait tout ce que tu as et t'anéantirait. C'est son but. Et oui, cher internaute, Sofiane prend du terrain. Les jours s'enchaînent. Bientôt, le même discours se tiendra auprès de la mère de Hajar, qui est encore plus affaiblie que Hajar, encore plus inquiète, sera convaincue par le discours de celui-ci et deviendra même, cher auditeur, chère auditrice, son allié dans tout ce qu'il demande. Voilà comment le loup s'occupe de la bergerie. Mais c'est pas fini, cher auditeur, chère auditrice. Écoutez la suite. Un soir de lune noire, Sofiane entrera en rituel et il va faire un grand rituel et sacrifier grand, très grand, un animal assez conséquent pour avoir à son service des démons d'un certain niveau. Un rituel sale,
très sale, très profane, pour que ces démons soient parmi les pires. Cher auditeur, chère auditrice, vous avez compris à ce stade que Sofiane est un sorcier en pleine ascension initiatique. Il se fait passer pour un frère, il n'a aucun dogme, aucune aqida, c'est-à-dire qu'il n'a aucun fondement spirituel. Petit rappel, cher internaute, le musulman, quel qu'il soit, suit un chemin clair, c'est-à-dire qu'il est soumis à des règles dans tous les domaines de la vie. Parmi le haut de la pyramide, il y a le fait de donner aucun associé, de ne donner, pardon, aucun associé à Dieu. Dieu est le seul à avoir créé, le seul à diriger, le seul à guérir, le seul à décider. Il ne partage ses pouvoirs avec personne. Et ceci relève du dogme, c'est-à-dire des fondements de la croyance. Dans beaucoup de pays, les croyances ont été modifiées et les peuples ont été égarés. Les gens ont commencé à croire que Dieu prêtait des pouvoirs de guérison, de dons, et que certains êtres étaient élus. Beaucoup plongèrent dans ces égarements, s'éloignant du dogme authentique, laissé par tous les prophètes, d'Abraham en passant par Jésus jusqu'à Mohammed. Paix sur tous les prophètes. Alors dans beaucoup de croyances, les gens pensent malheureusement être élus, tombent dans les filets du diable, qui leur fait miroiter qu'après certains sacrifices ou certaines étapes initiatiques, ils ou elles seront élevés dans un rang. Ils seront certes élevés, mais dans le monde diabolique, chers auditeurs, chères auditrices, et très loin du monde céleste. Selon le dogme islamique, il n'y a pas de awliya salihin, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de personne à qui l'on pourrait prêter des pouvoirs magiques ou des pouvoirs de tout type. Ça n'existe pas. La magie blanche est égale à la magie noire dans le dogme islamique, car à son départ, c'est un pacte avec des créatures. Et elles peuvent être de toute façon que malveillantes. Et cela, encore une fois, dans le dogme islamique, Dieu a lui la puissance absolue, surtout n'a pas d'associé, et il se suffit à lui-même. Il fait trembler la terre et les cieux quand il veut. Toutes les louanges lui reviennent à lui seul. Toutes les louanges lui reviennent à lui seul. Ce que les gens s'imaginent en se pensant être élus n'est que pire injustice vis-à-vis de Dieu, car cela voudrait dire que Dieu a besoin de l'humain. Mais n'est-ce pas plutôt les créatures qui ont besoin de Dieu? Les créatures ont besoin de Dieu. Et bien sûr que si. Il ne s'agit que de cette théorie-là. Et donner un associé à Dieu est un acte sombre aux lourdes conséquences. Soyez vigilants, chers auditeurs, chères auditrices. Reprenons, chers amis. Donc Sofiane convoitait de sacrifier plus gros et plus lourd qu'un animal. Et oui, chers auditeurs, chères auditrices, je ne sais pas si vous avez compris, si vous avez senti le truc arriver. Mais Sofiane, lui, ce qu'il veut, c'est sacrifier Hajar. Et pour cela, il faut qu'il l'abîme. Et pour cela, il la sépare de son mari Michael, petit à petit, par ce rituel noir et par un sort d'aveuglement et de séparation. Il l'isole de Noussi par un sort de séparation très puissant, car il voit en Noussi un être assez endurant et buté pour sauver son ami et la faire revenir à la raison en lui parlant à sa foi. C'est un jour bien triste. Le téléphone sonne. Farid est décédé. Rahimallah. Noussi l'apprend de Safouane, qui l'apprend de Michael. Et elle appelle son ami, qui est sur place. Mais sa voix a changé. C'est normal, se dit Noussi. Elle vient de perdre son frère. Allô? Salam alaikum.
Alaykoum salam. Je t'aime, ma sœur, ne l'oublie pas. Tel est le destin de ton frère et il a rejoint la demeure de la vérité. Ça va aller. Vous n'êtes pas seul. Hajar, je suis avec toi. Je suis avec toi et demande-moi ce que tu veux. Je déplacerai des montagnes pour toi, Inch'Allah, ma sœur. Merci, je te laisse. Salam. Lui répond Hajar. Les prochaines discussions seront pareilles, chers auditeurs, chères auditrices. Et nous aussi, va commencer à ressentir une grande distance. Mais encore une fois, pleine de miséricorde, elle trouvera inapproprié d'embêter son ami avec cela. Elle se déplacera avec sa propre famille pour soutenir Hajar et les siens. Mais Noussi va se heurter à de la méchanceté de la part de la mère de Hajar. Encore une fois, elle pensera « Mais cette femme vient de perdre son fils, l'amour de sa vie. Si elle veut se déchaîner sur moi, je patienterai par compassion et solidarité. » Ouais, c'est pas grave. C'est ça la Oumma, c'est ça la communauté. Un corps, si un organe souffre, c'est tout le corps qui souffre. Mais bientôt, les abus vont s'enchaîner et Hajar aura une drôle d'attitude. Elle paraît perdue et à d'autres moments, elle paraît comme imbue de sa personne. Alors Noussi ne comprend plus rien, mais elle n'est pas la seule à vivre des moments très choquants. Hajar ne veut plus rentrer à son domicile. Elle dort chez ses parents depuis le décès de son frère. Ne parle quasiment plus à son mari, ne répond pas à ses messages. Et son mari, qui cherche après elle à l'hôpital, à la maison funéraire, lui aussi ne comprend pas. Elle le rejette et sa belle-mère devient très protectrice et très méchante. Alors un soir, il appelle sur le fixe de ses beaux-parents. Salam alaikum. Je n'arrive pas à voir Hajar. Tata, tu pourrais me la passer s'il te plaît? Elle ne veut pas te parler. Elle ne veut pas te parler. C'est pas la peine de nous rajouter. Avec ce qu'on vit en ce moment, c'est déjà très difficile. Mais tata, mais que se passe-t-il? C'est mon épouse. Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens, j'arrive. Je vais venir. Non, mais je vais venir. Pendant ce temps-là, cher internaute, devinez qui s'est fait passer pour un saint et qui a retourné tout le monde les uns contre les autres. Il n'a pas fini son plan. Un jour, il a demandé à Hajar un foulard qu'elle a déjà porté et que c'était important pour que les diables reconnaissent son odeur. Évidemment, il ne lui a pas dit que c'était des diables, cher internaute, mais des êtres bienveillants qui voulaient lui donner un savoir. Et elle lui a fourni ce foulard. Vous ne devinez pas la suite? Il s'en servit dans un rituel d'amour où il s'appropria Hajar. Cher internaute, il y a des histoires sombres que vous pouvez écouter sur plein de chaînes. Mais celle-là, cher internaute, est en top numéro 1 du côté de l'obscurité. Quand Michael est venu ce soir-là, Hajar, ensorcelée de force, la pauvre, avait peur de son mari. Elle avait des drôles de réactions, beaucoup de peur. Elle lui répondait pas. Et quand il lui demandait pourquoi tel comportement, au contraire, elle semblait comme en présence d'un inconnu. Elle s'éloignait. Elle voulait même pas qu'il s'approche d'elle, ne serait-ce que d'un pas. Et la belle-mère qui surenchérissait en l'envoyant paître. Comme quoi, si sa fille ne voulait plus de lui, il fallait qu'il l'accepte. Et Michael appela sa foine et lui raconta. Harry, ma femme a pété les plombs. Je la reconnais plus. Elle ne veut plus me voir, plus me parler. Elle me dit que je ne suis pas son mari. Et elle est devenue folle. Je crois que le deuil de son frère l'a rendue paranoïaque. Sa foine lui répondit qu'elle avait envoyé bouler Noussi plusieurs fois également. Et pire, que sa belle-mère avait été odieuse avec Noussi. Sofiane et Michael sentent et comprennent que quelque chose se trame. Hajar n'est pas ce genre de fille. Hajar, elle est pieuse.
Elle est magnifique, c'est une belle personne, elle est lumineuse, elle dégage beaucoup d'amour. C'est le genre de sœur qui vous conseille, qui est là pour vous. C'est une vaillante. Et bientôt Noussi va être frappée, cher internaute, de cauchemars, de maux de ventre, de nausées, de vomissements. Elle va chercher après Hajar qui va la bloquer de partout. Elle va se sentir très malade, très isolée et sans comprendre pourquoi. Pendant ce temps, Sofiane fait le niais quand Michael lui raconte et lui demande s'il a une piste. Celui-ci dit être choqué et lui dit qu'il a tout son soutien. Michael, le pauvre, ne sait pas qu'il parle avec le diable en personne. Noussi va de plus en plus mal. Aucune analyse ne revient positive, aucun examen. Avec son mari, elle va comprendre que le mal l'a frappée et que sûrement Hajar et Michael en sont également frappés. Et oui, cher internaute, c'est ce que je vous disais dans d'autres vidéos. Lorsque vous faites le tour et que vous comprenez que rien n'est normal dans une situation que vous vivez à répétition, en essayant de changer les donnes à chaque fois afin que l'affaire réussisse et que ça ne fonctionne pas, posez-vous les bonnes questions. Mettez pause dans votre vie. Et sachez prendre les bonnes décisions. Celui qui se rapproche de Dieu a certes trouvé la bonne voie. Quant à celui qui veut rester dans son égarement, lui a fait un autre choix. Pendant ce temps, Sofiane, qui vient très 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 régulièrement chez les parents de Hajar, prétexte devoir s'isoler avec elle pour l'aider dans le deuil, dans le cadre de la thérapie, alors qu'en réalité, il l'a sous son emprise. Il lui ordonne des choses graves, comme de ne plus parler à Michael. La secoue, s'il apprend qu'elle l'a fait, il lui fait répéter « Qui est ton vrai mari ? Qui est ton vrai mari ?» Et elle devait répondre « Toi, Sofiane. » Il lui expliquait que bientôt elle allait devoir se tuer par amour pour lui. À quoi elle acquiesçait, aveuglée, par le poids de la sorcellerie dont elle faisait l'objet. Mais Michael, lui, avait une grande foi, cher internaute, et ne sous-estimons pas le pouvoir de la foi. Et encore une fois, souvent, la foi est mal perçue et la croyance n'est pas claire, le dogme est très fragile. Alors les gens espèrent pouvoir se soigner, mais ils n'y croient pas. Michael, lui, il va y croire. Continue notre histoire. Il a commencé les prières de nuit et des rêves font lui parvenir. Entre-temps, il demandera à sa belle-famille de lui ramener son épouse juste pour une discussion, pour qu'elle voie ses enfants, sa maison. Et ensuite, elle pourra prendre sa décision si elle veut, s'il vous plaît, leur dit Michael. Son beau-père va accepter. Hajar, elle rentrera en crise. « Non, je ne veux pas y aller, s'il vous plaît, j'ai trop peur. Non, ce sont des diables, rappelez-vous ce que nous a dit Sofiane, ce sont des diables. Ne m'envoyez pas là-bas, s'il vous plaît. » Son père, avec un minimum de lucidité encore, lui dit alors qu'il restera avec elle dans la maison et que si quelqu'un voudra lui faire du mal, il sera là. Et dites-vous que c'est à cette seule condition qu'elle acceptera. Alors ils arrivèrent chez Hajar. Le père part dans une chambre se reposer. Elle ne veut pas voir Michael. Mais lui, il veut parler avec elle. Et il lui dit derrière une porte, « Si tu veux, on peut discuter, mais derrière la porte, comme ça tu ne me verras pas. » Et là, elle veut bien. Derrière une porte, « Tu ne me touches pas et je ne te touche pas. Tu ne m'approches pas et je ne t'approche pas. » Et là, cher internaute, soulignons la patience de Michael, parce que clairement, ça devait être une épreuve des plus dures. Mettez-vous 2 secondes à sa place.
Pendant de longues heures, il va lui dire « Tu te rappelles quand on s'est vu la première fois ? Tu te rappelles notre premier baiser ? Tu te rappelles quand je t'ai demandé en mariage ? Tu te rappelles la naissance de notre premier enfant ?» Il va lui rappeler pendant des heures certains moments à eux, certains moments de complicité, certains moments de rire, certaines anecdotes. Et elle va se mettre à beaucoup pleurer. Beaucoup pleurer, cher internaute, beaucoup pleurer. Et il va parler de Noussi et de Safouane, et elle va encore beaucoup pleurer sans savoir pourquoi. Elle sent juste que quelque chose se passe dans son cœur. Et cela va durer plusieurs jours. Michael ne sait toujours pas que le sorcier derrière tout ça, c'est Sofiane. Et il a compris par ses rêves et grâce à ses nombreuses invocations qu'il s'agit d'un mal occulte, mais il ignore la provenance. Michael va s'isoler et il va appeler Safouane aussi. Allô ? Ouais, Safouane, c'est Malcolm. Je sais pas ce qui se passe, mais l'affaire est trop grave. Mais Harry, elle me considère comme un inconnu. Elle paraît complètement perdue. Elle dit que personne ne la comprend. Et là, pendant que les garçons discutent, Noussi, qui est assis à côté de Safouane, elle réfléchit. Et son côté activiste qui remonte à la surface. Elle dit « Hé, Safouane, dis à Michael que j'ai les identifiants et les codes de sa boîte mail. » Elle me les avait donnés en me disant de vérifier ses mails car elle avait beaucoup de messages de pub et elle pensait s'être fait hacker. Par respect, je les ai conservés, mais je n'ai jamais été dedans sans elle, sans lui demander la permission. Mais Michael peut peut-être regarder, on ne sait jamais s'il y a une piste. Safouane explique à Michael pendant qu'ils sont en train de parler. Michael trouve l'idée intéressante. Il se met sur son ordi. Tous les trois recherchent la vérité. Tous les trois invoquent Dieu. Tous les trois veulent sauver Hajar. Tous les trois pensent, stressent et vivent chacun à leur échelle des cauchemars, des situations étouffantes, des situations sans cause. Les médecins ont prescrit plein d'examens à Noussi. Elle n'a rien. À chaque fois, ça revient négatif. Elle a perdu du poids. Elle est cernée, très fatiguée. Elle rêve d'animaux, de personnes malveillantes. Safouane la soutient. Il souffre de la voir comme ça. Il est impuissant. Michael n'a plus aucun impact sur sa femme. Sa belle famille s'est retournée contre lui injustement, sans raison. Il le traite comme un moins que rien. Et là, on entend « C'est pas vrai !»« C'est pas vrai !» crie Michael. « C'est pas vrai !» Et le stress monte, cher internaute. « Qu'est-ce qui se passe, Michael ?» Michael pète littéralement un plomb. C'est pas vrai, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Mais c'est pas vrai. Mais quoi, dit Safouane, parle, dis-moi. Michael reprend ses esprits. Safouane, je vais le tuer. Mais qui? Mais Sofiane, lui répond Michael. Sofiane. Hein? Qui? Sofiane, le thérapeute. Je vais le tuer. Sofiane, j'ai trouvé des mails très graves. Je crois qu'il veut apprendre les sciences occultes à ma femme. Ou qu'il lui a jeté un sort. Ou je sais pas, mais dans un mail, il y a un fichier avec un tableau bizarre. Avec des instructions. C'est un drôle de dessin. Et un mot dans l'email qui dit... Ça ressemble à ça, tu dois t'entraîner à le reproduire. Mais attends, c'est pas tout, Safouane. Dans un autre mail, il y a marqué qu'il sait qu'elle est rentrée chez nous et qu'il se vengera de sa désobéissance. Noussi, juste derrière, très choquée, très secouée, Noussi demande mais qu'est-ce que Hajar, elle répond dans les mails. Mais rien, justement, dit Michael, rien. Il faut que je parle avec elle. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est sortie avec son père. J'attends qu'elle rentre. Je lui parle et je vous rappelle. Les heures passent. Hajar et son père rentrent d'Écosse.
Mikhaïl, très sage, attend le soir. Attend que toute la maison est calme, que le beau-père est couché, les enfants aussi. Il fait du thé et il invite Ajar avec douceur à discuter. Il a pris plein de précautions. Au début, elle ne veut pas. Et puis, il va de nouveau rappeler certaines choses. Ajar, regarde, depuis que tu es rentrée, je te parle, mais il ne t'est rien arrivé. Je ne t'ai rien fait de mal. Regarde, je parle avec toi, c'est tout, c'est vrai ou pas? Ajar va parler. Oui, c'est vrai. Mais je ne devrais pas te parler. Je sais que tu me veux du mal. Je ne dois même pas te croiser normalement. Mais Ajar, mais qui t'a mis ça en tête? On s'est mariés par amour. On est allés étudier ensemble. On a toujours ri ensemble. On est des meilleurs amis. Personne ne te remplacera dans mon cœur. Ajar commence à pleurer à chaudes larmes. Et elle pleure, cher internaute. Et Mikhaïl continue. La mort de ton frère, Ajar, c'est le destin que Dieu lui a écrit. Et le deuil est naturel. Mais Ajar, la crise que nous rencontrons, elle a un caractère paranormal. Tu trouves pas? Elle ne répond pas et elle commence à trembler. Ajar, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Lui demande Mikhaïl. Est-ce que tu sais que Noussi est très malade? Elle te manque pas? En tout cas, toi, tu le manques beaucoup. Et elle ne répond toujours pas. Et elle commence à crisper ses doigts. Mikhaïl lui demande, est-ce que je peux lire un peu de Coran sur toi? Et étrangement, chère internaute, elle va accepter. Après tout ce travail, enfin, Mikhaïl envoie les fruits. Alors, elle accepte, étrangement, mais il doit rester loin d'elle et il ne doit pas la toucher. Alors, il va lire. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Alors que Salomon n'a jamais été négateur, mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignent rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, « Nous ne sommes rien qu'une tentation ne soit pas négateur. » Ils apprennent auprès d'eux ceux qui s'aiment, la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne peuvent nuire à personne sans la permission. Or, ils ne peuvent nuire à personne sans la permission de Dieu. Et il va continuer de lire et de lire et de lire. Et elle va continuer de pleurer. Et lui, il va lire et elle va pleurer. Il va lire et elle va pleurer. Et elle va s'endormir profondément. Ce soir-là, cher internaute, Mikhaïl va prier une bonne partie de la nuit. Et il va rêver. Il va rêver. Et Ajar va rêver. Et c'est ce qui va tout changer, cher internaute. Ajar, en se réveillant le matin, va lui raconter son rêve. Elle se sentira étourdie, mais elle lui racontera et on dirait que quelque chose commencera à bouger dès ce moment-là. J'ai rêvé que j'avais une camisole de force serrée dans le dos par 6 nœuds, 3 de chaque côté, et elle me serrait très très fort et elle m'étouffait. Et puis tu es venu et tu as ouvert les nœuds un par un, et je me suis réveillée. Et elle fond en larmes.
Michael essaie doucement de la prendre dans ses bras. Doucement et doucement. Et enfin, enfin, cher internaute, il y parvient. Il la serre fort, fort, fort contre lui. Et il va pleurer avec elle. Oui, cher internaute, les gens souffrent. Les gens souffrent énormément de ce qu'on leur fait. Énormément. Mais la récompense de celui qui souffre, lorsqu'il place sa confiance en Dieu et qu'il se dirige vers lui, encore une fois, sa souffrance n'est pas vaine. Les gens font du mal, écrivent leur destin sur ce mal, et d'autres patientent et sont endurants dans leurs épreuves et inscrivent leur nom dans des hautes sphères. Un paradis que nulle âme ne peut imaginer, tant la splendeur n'est pas possible de se l'imaginer avec un cerveau humain. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais les croyants comprendront. Donc ils vont rester un moment comme ça, et puis après il va tenter de lui exposer les emails. Donc Michael va commencer à exposer les emails et Hajar va paniquer. Et il va lui dire qu'il sait, qu'elle n'a pas à avoir peur, qu'il sait qu'il y a une correspondance entre eux. Et il va lui dire: Hajar, est-ce que c'est Sofiane qui te fait du mal? Et là, cher auditeur, chère auditrice, encore la panique va augmenter. S'il te plaît, Michael, il va me tuer, je préfère me suicider. Mais astaghfirullah, que Dieu nous pardonne, Hajar, mais qu'est-ce que tu racontes? Il va me tuer, il va nous tuer tous. C'est un sorcier, il m'interdit de te parler. Il m'a fait un rituel où il a voulu m'étrangler avec un foulard qu'il m'avait demandé. Ce foulard, je devais l'avoir porté. Il m'a demandé de porter cette bague. Et elle retira une bague qu'elle posa. En panique, elle continua. Et il a dit que maintenant, c'était lui mon mari, et que je n'avais pas le droit de te parler, de te laisser m'approcher, que tu me voulais du mal, toi, Noussi et Safouane aussi, que eux c'était des diables qui cherchaient ma chute, et que toi tu étais leur maître. Et il a convaincu ma famille aussi. Mais Noussi, mais c'est quoi cette histoire de fou? Mais pourquoi tu n'as rien dit? Je ne sais pas, je n'y arrivais pas. Et quand j'ai voulu, je n'avais pas de force. Une espèce d'immense peur, des envies de sauter par la fenêtre, de me suicider, des cauchemars. Et il venait tellement souvent que j'avais l'impression d'être dans deux réalités. Je ne savais plus qui était vraiment mon mari. Et mes parents qui lui accordaient tous les crédits. Et puis il y a eu l'enterrement de mon frère. Et ensuite il m'a demandé de faire des rituels que je devais apprendre pour m'entraîner, apprendre le savoir pour sauver des gens et les aider à guérir. Mais Michael, il n'en croyait pas ses oreilles, cher internaute. Il n'en croyait pas ses oreilles. La folie montait en lui. Et la folie montait en lui. Et il appela ses enfants au salon. Et tout d'un coup, il prit conscience. Il avait l'impression de lui aussi avoir été aveuglé et d'avoir été dans l'acceptation de trop de choses qui ne lui ressemblaient pas. Et quand il demanda à ses enfants: Est-ce que le monsieur qui venait pour aider maman vous a fait quelque chose? Non, papa, non. Mais il nous faisait très peur, il nous fixait beaucoup. Et puis parfois, il nous disait de partir dans nos chambres. Michael appela Safouane. Safouane, je vais le tuer. Salam alaikum, je vais le tuer. Non, 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 garde ton sang-froid. Appelle-le et appelle la police. C'est un prédateur. C'est vraiment un prédateur. Faut pas le laisser passer. Non, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper tout seul. Je te jure, je vais m'en occuper tout seul. Je vais le tuer. Safouane dit: Michael, écoute-moi. Si tu vas en prison, ton épouse sera à nouveau sa proie. Dès lors, Michael se calma directement. Ils se donnèrent rendez-vous. Et ils l'appelèrent ensemble au téléphone. Et une discussion des plus virulentes s'ensuivit, cher internaute.
Ensuite, ils furent rejoints par des frères, des amis, des gars du quartier, quelques personnes de la mosquée, qui apprirent que ce gars les avait bernés, qu'il n'était pas du tout un frère, que c'était un sorcier en pleine étape initiatique, qu'il était marié, que sa femme ne semblait même pas connaître ses activités diaboliques et ce qu'il faisait subir aux gens. Certains voulurent le massacrer au quartier, tous touchés par le fait que Michael était l'ami et le frère de tout le monde, touchés également par le fait qu'on puisse vouloir, par haine, par jalousie, vouloir anéantir des gens de bien qui n'ont rien fait pour vivre pareille folie. Cher internaute, le sorcier n'a rien eu. Il a disparu de la ville, on ne sait où et on ne sait comment, malheureusement. Il faut savoir aussi, cher internaute, Hajar ne s'en est jamais vraiment remise. Elle reste très fragilisée. Elle a fait de son mieux pour se créer une petite bulle où elle peut encore trouver la paix. Très, très, très blessée par ce qui lui est arrivé. Après cette épreuve, et jusqu'à aujourd'hui, et pour encore bien d'autres raisons, elle et nous aussi se croisent à peine. La famille Hajar a continué à détester Noussi, et ce jusqu'à aujourd'hui. Oui, car la mère de Hajar la voit en rêve, soi-disant, et dit que c'est une sorcière, et interdit à Hajar et à sa famille de la fréquenter. Cette information nous est parvenue par un autre témoignage et nous avons trouvé ça triste. Nous aussi a pardonné, mais avec Safwan, ils restent en retrait pour éviter les problèmes à leurs amis, puisqu'ils les aiment toujours pour Allah, au vu des souhaits de la belle famille et des soucis que cela pourrait engendrer à Hajar. Nous aussi est toujours malade, toujours, toujours malade. Michael et Safwan, eux, par contre, s'aiment trop et ils se voient encore de temps à autre. Ils ne parlent pas de ce qui s'est passé, mais le lien reste. C'est un amour indélébile. Les enfants, ils resteront marqués par la séparation des deux couples. Soyez vigilants, chers auditeurs, chères auditrices. Ne laissez pas aux gens l'opportunité d'entrer dans votre intimité. Et faites attention lorsque quelqu'un vous parle. Soyez attentifs. Le bien est clair et le mal est clair aussi. Éloignez-vous des péchés. Éloignez-vous des situations qui vous amènent à certains péchés. Faites de votre mieux pour remplir votre pacte vis-à-vis de Dieu. C'est ainsi que se termine notre affaire ce soir, chers auditeurs, chères auditrices. Nous espérons que vous en tirerez des leçons. Soyez très vigilants, et restez lucides. Comme nous vous l'avons dit, la voie du bien est claire et la voie du mal aussi. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle histoire. Pour ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour toujours plus d'histoires, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Oui, ça fait toujours plaisir et c'est sans tabou. Encore une fois, n'oubliez pas, ne donnez aucun associé à Dieu. Il est le maître absolu de toutes choses. Si vous devez demander, demandez à Dieu. Si vous devez être guéri, prenez conscience que ce n'est que Dieu qui peut vous guérir. Si vous devez faire un choix, c'est Dieu que vous devez consulter. Ne donnez aucun associé à Dieu. Il est le maître de toutes choses. Il est l'unique. Il subsiste par lui-même. Le doux, le sage, le plein de mansuétude. Et ne sous-estimez pas le pouvoir des invocations. Vous n'êtes pas seul. À bientôt. Salam alaikum.